Je veux pas vos armes de merde. On joue ensemble, les gars, tranquille. Putain, les gros singes, là. Joue à deux, là. Eh bien, ces derniers temps, les gars, on a fait beaucoup de solo. Et qui dit solo, dit parfois, ça arrive, des mecs qui commencent à team up. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des streamhackers qui viennent, ils me balancent une valise de thunes et puis ils s'en vont. Et il y en a d'autres qui font équipe du début à la fin de la game. Ils se collent, ok, ils sont ensemble. Et du coup, je suis tombé, les gars, sur des mecs qui étaient ensemble. Je les ai roulés, ok, ils étaient deux ou trois. Et ensuite, je les ai revus plus tard et je les ai reroulés, ça va. Bref, on a fait des 1v3 alors qu'on était en solo. Ça arrive en général jamais, je pense que c'était une des premières fois. Bien content de les exploser. Donc voici, les gars, des bonnes games avec du top 1 à la clé. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, activer la cloche comme d'habitude. Et surtout, venir me rejoindre sur Twitch, comme ça vous ratez pas les lives. Et le lien dans la description. Prochaine game, Dragunov. Non mais non. Non. Je ne jouerai pas à vos armes de merde. J'ai failli perdre le duel, hein, parce que le mec a 400 000 de ping en fait. Ennemi déployé dans la zone de concentration. Oh là 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 là. Est-ce qu'on jouerait pas la Krieg avec la Kimbo? Let's go. Pourquoi c'est des niveaux 48 et des niveaux 1? La cible mise à prix a été éliminée. Il m'a vu. Oula, lui il va cavaler, hein. Attention. Ok. Non, non, on joue ensemble. Bande de chiens, va. On joue ensemble, les gars. Tranquille. Un gros, vas-y, mec, y'a toujours un gars, hein. Toujours un gars en plus. Toujours un mec, hein. Y'a des gars. Y'a, 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 y'a. Oh. Il a pas de chance. Mon rôle était agréable à quel point, les gars. Très fruité. Je suis content que vous reconnaissiez ça, les gars. Mon rôle était assez fruité, assez agréable à l'odeur. Salut mon pote, je sais pas ce qu'il fout, hein. Oh, il prend 40 ans pour tirer une fois que t'as tiré une flèche. Va te faire foutre. Putain, les gros singes là. Joue à deux là. On les baise, on les baise. Écoutez-moi bien, on les baise. Ils sont trois, mec. C'est quoi ça? T'es tellement content de leur mettre de la sauce. C'est les mêmes que tout à l'heure, hein. Et le troisième, là, je pense que c'était celui qui était un peu plus loin, là. Vraiment des sous-races. Jouer à 3 ou à 2? Je sais même pas, gros. Je pense qu'il joue à 3, hein. Il est déjà parti, je crois. Là, on s'amuse à lancer le game, dis donc. Et alors? Et alors le camion? On l'entend plus là! Trop trop fort, gros, l'arc à flèche, hein. Oh là là, mec. Il aurait dû se mettre dans un bush, hein. Je l'aurais pas vu, hein. Si j'ai un macaque dans le dos là, je vais péter un plomb. Oh, je... Où est-ce qu'il est? Mes armes! Putain! Non mais va te faire foutre. C'est quoi ça? Il a deux kills. Il est couché derrière un arbre. J'avais plus mes armes pendant genre longtemps, mec. Nice bug. Ah, c'est le 1v1, c'est le 1v1, c'est le 1v1. La moitié dans le sol. Attention, toujours en 1v1. Oh là là. Oh là 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 là. Le premier se passe, certainement.
Quel monstre! Quel véritable monstre! Oh my god, man! What a monster! Are you the French monster? GG, bro! C'est la folie dans les tribunes. Le billet s'envoie, ouais. Qui est le meilleur joueur Warzone pour toi? Ah, difficile, les gars, de déterminer qui est le meilleur joueur sur un Battle Royale, vraiment. En termes de résultats, je pense que Recrant a fait des très bons résultats. Il est assez régulier au niveau de ses résultats durant les tournois. Donc je pense que Recrant fait partie des meilleurs. Après, le meilleur, je saurais pas dire. Ne pas sous-estimer le DMR, les gars. J'ai déjà fait des double kills, triple kills avec ce DMR de merde. Hein. On va jouer un peu SPR. Oula, y'a un mec là. Bah, y'a plus de mec là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh là là. En fait, j'ai surtout envie de voir avec le SPR si j'arrive à faire des kills faciles à longue distance. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Comment as-tu su qu'il était là? Ben, il y a un truc qui s'appelle drone. Et avec le drone, truc de fou, hein. Sur la mini-carte, là, il y a des points rouges qui apparaissent. Et après, bah, tu peux savoir où il est, en fait. Il va sauter. Non. Oh, Denzai, je suis désolé, gros, mais... Largage tactique allié imminent. Boum. Le C4, les gars, vraiment, il faut le jouer. Hein. En solo, il faut le jouer impérativement. Duo, je pense que c'est toujours utile. Trio, un peu moins. Je peux déjà commencer à jouer Sentex Termite, par exemple. Mais en solo, ouais, c'est super important, hein, je trouve. Je pense que ce monsieur monte. Il monte! Oh, mais c'est pas lui! C'est même pas lui, gros! Oh là là, t'as de la chance, hein. La chance est avec toi, mon pote. Hein. Là, on a un peu moins de chance. Hein. Oh là là! Elle est belle! Oh! Putain, je devais l'avoir là. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Il bouge pas, gros. Je voulais le noscope, ça n'a pas marché. Ma souris va m'envoyer chier, les gars. Il y a plus de batterie quasiment. Technique de la salle de bain. Faut que je branche. Ma souris est branchée sous l'autre PC. Ouais, je raconte ma vie alors. Ah, c'est bon, je l'ai. Non, mais ce serait con en fait que durant mon top 1, je puisse plus me tirer en fait. Ce serait chiant. Moi, j'aime pas les souris avec fil, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et là, je meurs d'une balle de snipe en sortant. Le seum. Comment tu cours si vite? C'est mon skin. J'ai les bottes rapides. Et regarde, avec ce skin, tu vois, j'ai ces bottes là. Et avec ça, bah, je cours méga vite, gros. Genre, vraiment, je suis une fusée, quoi. Et en plus, avec ça, tu peux mettre des grosses balles de snipe. C'est vraiment cheat, hein. Ça, c'est les bots, hein, les gars. Sans les bots, je fais pas ce kill. Hein. Attends, le drone n'a pas de... Oh l'enculé! Oh l'enculé! Oh, c'est physique! Si c'est physique, bon, c'est pardonné, quoi. Ce qu'on peut faire, les gars, c'est pique ce gars-là, en fait. Alors, comment on fait? La technique est simple. Simple, simple, simple. Le premier bait qui est envoyé par le joueur belge. Le gaz avance. Le bait qui évidemment ne fonctionne pas. C'est parce qu'il y a personne en fait. C'est peut-être pour ça. Ici les gars, dans cette ville, il y a trois bâtiments auxquels il faut faire très attention. Celui-là c'est le plus dangereux. Concrètement les gars, s'il y a un bon joueur dans ce bat et qu'il est là par exemple, et que j'arrive là comme une fusée, je suis mort, hein. Là s'il y a un campeur comme ça par exemple, et que je rentre comme une fusée, je crève, hein. Oh les gars. Oula, 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 oula. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le contre-jour de merde. Ok, c'est réglé. Oh, vous avez rempli la mission. Oh. Bravo. Bon bah le SPR plutôt bon. Je pense que le ZRG est mieux à longue distance quand même. GG les bots, tout ça c'est grâce aux bots là. Vous avez vu les lacets des bots? Tout ça c'est grâce à ça. Si j'avais pas eu mes bots les gars.